retrouve Mazinor sur Call of Duty Modern Warfare. Mais Mazinor, vous êtes à l'antenne. C'est bizarre, on vous sentait super chaud sur Modern Warfare et puis vous avez arrêté d'y jouer pendant un mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une partie où je me suis fait massacrer. Un truc horrible, un cauchemar. Bah, j'avais l'impression d'être en jupe à Cologne, au Nouvel An. Ah, rien qu'à de revoir le replay, là, ça me... Ah, pff, oh. Ouais, n'en faites pas trop non plus, Mazinor. Ah bah, c'est la même map que votre première partie. Ouais, le pont, là. Le pont de ses morts, là. Tiens, tiens, t'as vu comment il faisait, le mec? Il ouvrait la porte, il sortait, il tuait, après il rentrait, il fermait la porte, il mettait une mine. Tu sais, comme les coucous, là, dans les horloges, là. Attends, j'ai pas payé 70 balles pour ça, moi. C'est dommage que vous ayez rage-quit, vous auriez peut-être battu votre record de 6,63. Alors ça, c'est méchant. Alors je suis retourné jouer sur World War 2. Oh non, j'étais dégoûté. Enfin, vous auriez pu réessayer plus tôt, hein, qu'attendre un mois comme ça. Ouais, mais le problème, c'est qu'après le jeu, il voulait plus se lancer tant que j'avais pas fait la grosse mise à jour. Et j'avais plus de place sur la PS4 parce que j'avais trop de captures vidéo. Donc fallait que je les sauvegarde, mais j'avais plus de disque dur, moi. Ouais, non, mais ça, on en a un petit peu rien à foutre, Mazinor. Au niveau du jeu, ça se passe comment concrètement? Il y a du progrès, c'est... Vous le sentez mieux? Ah ouais, non, mais là, ça va mieux, hein. Vous vous souvenez, il y a un mois, mon M4, là, j'avais aucun accessoire, il bougeait de partout, le machin. Oui, votre vidéo, premières impressions. Ouais. Non, mais c'est bon, maintenant, je l'ai réglé, là, j'ai des accessoires, là. C'est une machine à coudre, maintenant. Ah oui, en effet, il a l'air stable. Oh, il y en a un autre. Ah. Attends, il va faire le tour. Hop. Oh putain. Ah putain. Quel con, j'aurais pas dû recharger, hein. C'est une manie que j'ai. Ouais, non, mais c'est gentil d'essayer de nous faire croire que vous êtes sur le terrain, hein, mais bon. Oh, mais si ça lui fait plaisir. Mais c'est ta faute, ça. 21h32, donc je suis pas en direct. Non, il est 21h15, alors c'est pas possible, la machine. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, qui se prend la tête, l'autre. Ah putain, dans le dos. Non, mais laissez tomber, Gina, cette conversation est absurde. Oui, donc vous nous disiez, la M4, elle est stable et elle est précise. Pourtant, ils l'ont nerf, hein, mais même comme ça, c'est abusé. De toute façon, les M4, elles ont toujours été stables, hein, dans tous les Call of, hein. C'est l'arme qu'on vous propose au début du jeu, justement, pour pas décourager ceux qui viennent de l'acheter, quoi. Ah, je veux que vous connaissez tous les raccourcis, hein, Mazinor. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la première fois que je passe par là. Oh putain, oh non, tu l'es. Triplette. Alors là, obligé, je fais une vidéo, là. Ah ben voilà une bonne nouvelle. Donc vous nous confirmez les 3 kills dans le dos que vous venez de faire, là? Ça vous suffit à vous décider de faire une vidéo, ah ben, c'est attends, ça? Vous avez pas vu la triplette dans le dos, là, que j'ai... Vous avez pas vu la... Si, on a vu. Drôle de commentateur, vous, hein. Son degré d'exigence est en baisse. Oui, Gina, essaye d'éviter ce genre de réflexion, ça pourrait être repris dans les commentaires. Moi, je peux y aller, là. Vas-y, passe, c'est bon, je te cours. Ouais, bah, c'est sûr. Elle va tous se prendre dans la gueule. Oh, les clous, j'ai les 3 clous. Oui, enfin, c'est pas vraiment des clous, Mazinor, hein, c'est plutôt des sortes de roquettes, hein, c'est... Bah, c'est quoi, alors, si c'est pas des clous, malin, bah. Et toi, t'as les roues, là? Bah, regardez sur Wikipédia, Mazinor, hein. Alors, roquette, fusée de guerre, le terme emprunté français, hein, mais issu du gothique quenouille. Ouais, j'ai pas tout entendu là, ouais, bon, c'est des quenouilles alors, d'accord. Merci Gina. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée de faire de la vulgarisation improvisée comme ça, Gina, hein. Je sais pas, hein, je... Ah, ça a coupé. C'est bon le son derrière, c'est quoi, c'est du Jedi, Mazinor? Ah, c'est Jurassic 5. Putain, y'en a un. Oh, je suis mort. Vous l'avez eu à la grenade, mais c'était limite, hein. Ah non, mais ça c'est mon défaut, je suis toujours en train de jeter des grenades et je me fais allumer bêtement pendant ce temps-là. Bon bah 143-32, la partie a l'air pliée là, hein. Mais c'est pas parce qu'ils sont moins forts, les mecs d'en face, c'est parce qu'ils jouent pas à l'objectif. Et on va réprouvante cette partie, rappelez-nous quelle était votre règle numéro 1. Règle numéro 1, soignez son cardio. Lui il vient de voir le nouveau Zombieland. Ah, ça campeur, le mec il passe toute sa partie au même endroit. C'est ces mecs là qui pourrissent le jeu. Attends, je vais m'occuper de ton cas, moi. Ah, il est rancunier, hein. Pourquoi il y a marqué rabat-joie? Rabat-joie, c'est quand vous éliminez un adversaire qui était en train de réaliser une série de plusieurs kills de suite et qui donc allait obtenir des score streaks. Qu'est-ce que c'est, des score streaks? Eh bien, c'est bon, Fred et Jamy, c'est pas sorcier là, je peux prendre une pause, hein, si vous voulez, hein. Eh, hey, il va où là? De toute façon, cette année, Call of, ils ont fait en sorte qu'on joue qu'avec des mecs de notre niveau, c'est là, je sais plus comment ça s'appelle là. C'est le matchmaking, Mazinor. Ouais, c'est ça, c'est le match. Donc, vu votre niveau, vous devez être encore en train de jouer avec votre classe de petits non-voyants habituels. Elle est trop forte, Dina. Ah, doublette. Ah bah d'ailleurs, y a plein de youtubeurs, ils sont dégoûtés parce qu'ils arrivent plus à faire des gros scores pour faire leurs vidéos spéciales YouTube. Et oui, avant les équipes étaient panachées avec des très bons, des moyens et des mauvais. Si maintenant les forts ne jouent plus qu'entre eux, évidemment les scores seront moins spectaculaires. Alors c'est bien ou c'est pas bien pour vous le matchmaking, Mazinor? Bah je suis pas trop concerné, moi. La spécialité c'est plutôt les vidéos rigolotes, quoi. Et bien souvent je tombe dans les équipes où les mecs ils sont moins rigolos, quoi. Attention, Mazinor! Attends, je vais lui mettre une petite grenade dans la... Hop.
Ah, mais vous avez cette tendance à toujours essayer de jeter une grenade, Mazinor. C'est un mauvais réflexe, hein, que vous avez, ça. En tout cas, il l'a bien collé, là. C'est mon défaut, ça. Toujours, je jette des grenades, je sais pas, des grenades, quoi. Je sais pas, c'est... Tiens, là, par exemple, là, tu vois ouais, eh ben, faut que je jette une grenade, je sais pas, c'est plus fort, tu vois. Bah, écoutez, on en prend acte, vous aimez bien jeter des grenades. Quoi d'autre, sinon, y a de la news, qu'est-ce qui se passe? Ah, de quoi? Quoi? Non, on disait quoi de neuf à part ça, Mazinor? Bah, rien, je suis là, quoi. D'accord. Bah, sinon, j'ai regardé The Witcher, là. Ouais, et alors, vous en pensez quoi, Mazinor? Bah, c'est pourri! Faut y arrêter à l'épisode 3, j'avais l'impression d'être devant Beowulf avec Christophe Lambert. Ah oui, à ce point-là. Ouais, non, et puis j'ai bien... Oh, Allez, Mazinor. Ah, on l'a perdu, on dirait, là, non? Faites continuer parce qu'après les épisodes d'après ils sont bien finalement. Ah bah vous avez fait la kill cam, Mazinor, c'est bien. Mais c'est vous, bien. Vous avez remonté un peu votre visée parce que avant vous tiriez tout le temps dans les rotules. Ah c'est vrai que là il tire au gloobooks. Ah ouais, là, j'ai trouvé des bons réglages là. Faut pas que je les perde parce que. Vous faites quoi? Vous faites une nouvelle partie, Mazinor, hein? Allez. Allô. Allez, parti.